peine, Amicia. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi? Suivre les hommes? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici? Pour l'arbre. Quel arbre? Le pommier, père. Bon, très bien. Allons-y. Regardez, Lyon. Le fauve de Guyane est pressé d'en découdre. Ah, mon fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Tu es dur. Vas-y, mon chien, tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Tiens, le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun a ses obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille... Hé hey, j'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de runes. Allez, vas-y. Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais... Chacun a ses obligations. Je dois... m'occuper de ces terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute-moi. Quoi? Hé hey! Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. Allez. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve? Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve? Les pommes sacrées de l'arbre... sacré ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Prête! Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. Amicia, je t'ai dit derrière le tronc. Respecte la règle. Même quand tu joues, tu arrives à fuir tes responsabilités. Lyon? Eh bien... Qu'est-ce qu'il a? Il a dû flairer un lapin. Venez, vite! Lyon! Attends-moi! Lyon! Un chien de chasse! Il n'est pas censé semer son maître! Lyon! Mais où il est? Tu es là. Qu'est-ce que tu as senti? Oh là là! Un sanglier! Bravo, mon chien! Amicia, il a trouvé quelque chose? Chut! Venez voir, un sanglier! C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Ses herbes te cacheront si tu restes baissé. C'est le moment. Oh non, il m'a vu. Est-ce que la faim te rend... Ne le lâche pas, Lyon. J'arrive, Lyon. Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi. Le sanglier, il perd du sang. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Oh, des choses toutes neuves. Les arbres. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lyon! Reviens! Lyon! Je suis là! J'arrive!
T'en es où des rivets pour renforcer la porte? J'ai pas pu les faire encore. T'es au courant que les troupes anglaises arrivent? Ah. Oh, mademoiselle Amicia. Avez-vous pu... Ouais. Plus tard, Flore. Dis Sébastien. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Et garde les fléaux loin de notre foyer. Je leur dirai. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Ça va pas durer, ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. Ah, Gabriel. Mère est encore à l'étage? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une... T'as bien raison. Elle risque de pas être de bonne humeur. Oui, Dame Béatrice, j'y veillerai. Louise, tu viens de voir ma mère? Tout juste. Vous voulez la voir? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas... Où est-il? Maman? Hugo? Hugo, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Chut! Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas... Ça, là-bas. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Tais-toi! Viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où, le gamin? Vous auriez dû livrer l'enfant. Fais un peu là. Oh, non. Léa! Mais c'est pas l'enfant. Je ne sais pas. Amicia, chut. Je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. Il va. Alors dis-moi, où est Hugo de Rune? Amicia, qu'est-ce qui se passe? Maman, il faut trouver maman. Elle saura quoi faire. Oh mon Dieu, Louise. Et toi, ça t'amuse de me faire courir, hein? Pitié! Oh. La merde, oh. Forcément, c'est grave ici. Ça sert à rien. Mais il passe. Avancez. Ne regarde pas. N'oblige pas de faire encore mal. Je sais rien. Je m'occupe juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. Dis-moi un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si ça fait rester. Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui. Oui. Garde, faites attention aux issues. Personne ne sort d'ici vivant. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. Hé, on est un autre. C'est qui? Le jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Des fleurs? On a réussi. Chut. Mieux que ça. Cassez-vous. J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je dirais rien. Allez en enfer. Ah ouais. Après toi. Je te laisse réfléchir. Et toi? Crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes... Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Je vais... Attention, descendant. Oui. Tu sais, c'est juste un gamin et deux ou trois gueux qui les retardent. Il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Je reviens. Ne fais pas de bruit. Viens, on y va. Non, Amicia, j'ai peur. J'ai entendu un truc. Reste prudent. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal. On peut pas y aller. Mère, peut-être que si tu lançais un de ces mots... C'était quoi? Croyez? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord. Oh non, non, non. Du calme. Tiens bien ma main. Bon. Oh, verrouillé de l'autre côté. Mère, il y a un trou dans le mur. Oui. Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais en passant par là, tu pourrais nous ouvrir.
quoi derrière? J'ouvre un sou. Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite, d'accord? Allez, mon grand. J'aurais dû être bourreau. Il y a toujours des... Bravo! Il y a des gens. Prends ma main. Viens. Attends. Demandez grâce! Ne fais pas courir plus vite, mon ami! Suivez-moi. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ma tête... Qu'est-ce Maman. Qu'il crie? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux... Ma tête... Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. C'est bon, Hugo. J'arrive. Voilà. Merci. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. Restez avec Hugo. C'est la deuxième fois. Je dois voir ça. Bravo. Par ici. Toujours rien. La porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Non. Oui, mais on attendra qu'ils repartent. D'accord, je m'en occupe. Va-t'en, va-t'en, allez. C'est bien vous. Par ici. Fais la sœur. Soldats, par ici. Les garçons vivants. Qu'est-ce qui se passe? Où est maman? Elle va nous rattraper. Cours, cours le plus. Seul, ici, bouge. Le seul bouge, Amicia. Ne t'arrête pas, ils sont juste derrière nous.